Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Et pourquoi je suis autant ravie ? Parce que, bah, comme je vous l'avais dit, je continue à dégommer ma pile à lire. Donc, j'ai fait des très bonnes lectures, je suis contente. Il y a deux fantaisies et deux romances contemporaines. Par contre, on va commencer. Ouais, les romances contemporaines. Alors, j'ai lu de Elena Armas, The American Roommate Experiment. Il est en français, hein, pour info. Alors là, pour ceux qui ont lu The Spanish Love Deception, on retrouve la meilleure amie de... Oups, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le personnage principal du tome 1, la fille. Voilà, sa meilleure amie à elle. Donc là, en fait, ça fait suite. On a donc nos deux personnages du tome 1 qui sont mariés, qui sont en lune de miel. Et pendant ce temps, donc, on a sa meilleure amie Rosie, qui est une... Alors, elle travaillait dans la même entreprise que notre couple du tome 1. Elle a démissionné pour devenir romancière. Et là, la pauvre... Elle se retrouve, en fait, son toit s'écroule. Donc, il va y avoir des travaux chez elle, hein, et elle ne peut pas rester chez elle. Du coup, elle va chez son amie, qui n'est pas là, donc voyage de noces. Elle se dit, bon, bah, je vais habiter là en attendant, quoi. Elle essaie de la joindre pour la prévenir, mais elle n'arrive pas à la voir. Et en fait, le soir où elle atterrit donc chez elle, elle a le double de la clé, hein, au passage. Eh bien, il y a le cousin également... de... oh, je sais plus comment elle s'appelle, ça m'énerve, du tome 1 qui débarque aussi. Donc il s'appelle Lucas, ouais, Lucas, il est donc espagnol, hein, également, et bah, il faisait un road trip aux States, et du coup il avait prévenu sa cousine qu'il allait squatter un temps chez elle avant de retourner en Espagne. Et bon, bah, ils se retrouvent tous les deux dans l'appartement. Donc Rosie, toute gênée, dit « Bah écoute, moi j'étais pas censée être là, donc je te laisse l'appart et je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Je suis toute jaune. » Bon, bref. Et lui dit « Non, écoute, tu peux pas, enfin, ton appartement, parce que du coup il va aller avec elle pour voir l'appart. » Il dit « Ah ouais, non, mais tu peux pas rester ici, quoi. Donc reste avec moi, on va faire une coloc. C'est un studio, il n'y a pas de mur. » Donc lui prend le canapé, elle prend le lit. Et lui dit, voilà, on va vivre ensemble quelques semaines. Et puis après, bon, bah, dès que c'est réparé chez toi, tu y vas. Et puis, il n'y a pas de souci, quoi. Ça ne me dérange pas. OK, sauf que Rosie, elle est hyper amoureuse de lui. Enfin, amoureuse. Disons qu'elle a un énorme crush sur lui parce qu'elle le suit sur Instagram. Elle voulait absolument le voir au mariage. Et il n'est pas venu. Du coup, elle était dégoûtée. Elle voulait absolument le rencontrer physiquement. Il lui plaît. Quand elle voit son compte Instagram, lui, il est surfeur professionnel. Elle est émerveillée par les photos qu'il poste et tout. Donc voilà, elle a un gros crush virtuel sur lui. Et là, quand elle le voit en vrai, c'est genre « Waouh, en fait, il est trop beau !» Même en vrai, il est trop sympa. Le mec, il cuisine trop bien. Et donc, voilà. Alors, au début, elle n'est pas à l'aise. Le popotin entre deux chaises, c'est ouf. D'un côté, c'est génial, je vais vivre avec lui et tout, je le kiffe. Mais d'un autre côté, elle veut pas lui montrer, elle veut, voilà, être trop timide, machin. Donc, d'un autre côté, donc faut se réfréner, quoi. Faut pas qu'il voit que j'en peux plus de lui. Donc, c'est compliqué. Et bien, donc, ils vont faire une coloc et ils vont apprendre à se connaître. Et c'était trop mignon. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, si ce n'est que... C'est, j'irais pas un huis clos, mais presque, hein, ça se passe quand même beaucoup dans l'appartement. Mais chacun a quand même des fêlures, hein. Lui, au final, on apprend qu'il est en plein voyage, road trip, parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Et c'est à cause de ce quelque chose, d'ailleurs, qu'il n'a pas pu assister au mariage de sa cousine. Et il a des séquelles, là. Il va pas bien du tout, mais il le montre pas. C'est le genre de type hyper solaire. J'ai adoré ce personnage. C'est le type toujours de bonne humeur. C'est le mec idéal. Voilà, c'est le mec idéal. Mais voilà, avec ce qui lui est arrivé, ça va pas très fort, mais ne le montre pas. Bon, on va le voir dans l'histoire, hein. Forcément, ça va avoir un impact. Et Rosie, de son côté, par contre, c'est pas un personnage féminin que j'ai grandement apprécié, je vous le cache pas. Elle est bourrée d'insécurité, ok. Elle a renoncé à un taf génial pour être romancière, c'est cool.
mais je trouve qu'elle se noie dans un verre d'eau. Et Lucas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est lui qui porte l'histoire à bout de bras, parce que du coup, la coloc va aussi, comment dire, il va également essayer de lui redonner de l'inspiration à la panne de l'écrivain, quoi, le syndrome de la page blanche. Et j'ai l'impression qu'en fait, le mec, il fait tout, quoi. Et je comprends même pas, au final, comment ça peut donner lieu à une romance. Parce que Lucas, vu comment il est, je ne comprends pas ce qu'il trouve à Rosie. Voilà. C'était aussi un petit peu ce que je reprochais au personnage féminin du tome 1. Bon, par contre, là, heureusement, il y a deux points de vue. C'était pas le cas dans le tome 1. Si on avait été que avec Rosie, j'en pouvais plus, quoi. Mais on a aussi le point de vue de Lucas. Moi, je trouve que Rosie, mais heureusement, là, quand même, on a deux points de vue. Merci, Elena, parce que Rosie, j'ai eu quand même du mal, quoi. Je ne comprends pas, en fait, ce que Lucas lui trouve. Voilà. Voilà, c'est un personnage un peu fade. Lui, il la voit comme une fille super, plein de qualités que je ne vois pas, sans vous mentir, hein. Mais voilà, pour autant, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai adoré ma lecture à des moments qui m'ont fait rire. Et si vous vous demandez par rapport au titre, c'est un peu bancal l'explication, hein. Je vous avoue que j'ai pas compris. Vu qu'elle a, donc comme je vous dis, une panne d'écriture et qu'elle écrit des romances, Lucas va lui proposer de faire des dates avec elle, donc des faux dates, mais pour qu'elle voie ce que c'est qu'un rancard amoureux, parce qu'elle a eu que des branquignoles avant. Et donc pour qu'elle voie ce que c'est que des rancards amoureux, donc il va lui vendre du rêve lors des rancards, pour qu'elle retrouve l'inspiration pour écrire. C'est très bancal comme excuse. J'ai pas compris en fait ce que l'autrice a voulu nous faire voir là-dedans. Enfin, ce livre est mal foutu à bien des égards. Hein. Voilà, je vous le cache pas. Mais pour autant, voilà, c'était quand même un bon moment. Je le trouve moins bien fait que le premier. Par rapport juste à ça, hein, le fait que le truc qui va justifier la coloc, à part le plafond éclaté, etc., vivre ensemble pour lui redonner l'inspiration à travers donc des dates, j'ai pas du tout compris. Parce que je trouve que c'est l'excuse la plus lunaire du monde. Bon, Rosie, je la trouve très chiante, hein, voilà, c'est le mot. Par rapport à Lucas, donc j'ai pas non plus compris ce que Lucas va lui trouver. Voilà. Mais à part ça, c'était quand même une bonne lecture. Non, mais dit comme ça fait pas du tout envie. Mais pour les grandes amatrices de romances contemporaines, ça passera. Ça passera parce que because Lucas. Mais je vous préviens, voilà, il y a quand même pas mal de maladresses. Aaron, c'était Aaron et Catalina. Voilà, Aaron et Catalina. Aaron Blackford et Catalina dans le tome 1. Voilà, à la fin de la rubrique, je retrouve leur nom à ceux du tome 1. Catalina. Et Catalina, hein, c'est ça? Aaron, c'est sûr. Catalina ou Katarina? Donc voilà, moi j'ai bien aimé, en tout cas. J'ai quand même fait mes petites annotations. Nanana, il y a des choses sympas. Allez-y. Allez-y. Et là, par contre, oh, qu'est-ce que j'ai rigolé. The Love Wager, le pari d'amour. De Lynn Painter. C'est pas grand du tout. C'est en anglais. Là, pour le coup, je ne l'ai pas vu en français, celui-là. Mais alors, des barres de rire, j'en pouvais plus. Oh là là, les personnages ont des dialogues, des répliques. Il y a des situations où... Oh non, j'en pouvais plus. C'est très drôle et c'est très mignon. On est avec, comment, Ali Piper et lui, Jack. Jack. Alors, déjà, rien que comment ça commence. Ils se rencontrent dans un bar. Elle est barmaid. Et lui, en fait, dans la soirée, là, dans le bar, il y a un enterrement de vie de jeune fille. Et lui, c'est le frère de la future mariée. Donc voilà, ils font une soirée dans le bar où travaille Ailey. C'est Ailey, pas Ali. Ali, pardon. Ali. Et lui, il se retrouve au bar à lui commander un verre et elle le regarde, dit, oh, mais je vous reconnais, on s'est vu ce matin. Elle, en fait, elle a un autre boulot, elle vend des bijoux. Et il est là, ah oui, c'est vrai, je vous ai acheté une bague et tout. Et en fait, il avait acheté une bague pour demander sa copine en mariage. Sauf que dans cette soirée-là, ça va partir complètement en cacahuète parce que du coup, il va commencer à discuter avec elle.
ils vont hyper bien accrocher, tout de suite complicité, et du coup, la future fiancée va débarquer, faire un scandale, et il n'y a plus de fiançailles en jeu, il n'y a plus rien du tout, quoi. Du coup, ils vont se retrouver à coucher ensemble cette nuit-là. Ils vont coucher ensemble. Le lendemain matin, elle prend la poudre d'escampette, et on les retrouve quelques mois plus tard. Elle a pas de copain, elle vit en colocation, elle en a marre de sa vie, quoi. Sa vie, elle stagne, elle fait, comme je vous dis, donc deux boulots. Faut qu'elle se remette sur les rails, quoi. Là, ça peut plus continuer comme ça. Du coup, elle décide de quitter ses deux boulots, de reprendre un taf. Je crois que c'est le taf pour lequel elle avait fait des études, d'ailleurs. Elle travaille, je crois, elle est comptable, un truc avec les taxes, tout ça, j'ai pas tout compris. Et lui... Dans quoi il travaille, lui? Il m'en rappelle même plus, tiens. Il est architecte. Il est architecte de paysages extérieurs. Voilà, c'est ça. Lui, il est architecte. Et donc, elle remet... elle se retrouve un nouveau boulot. Elle veut une vie plus adulte. Et elle déménage sa colocation. Elle se prend un appartement toute seule. La coloc, mention spéciale pour sa coloc, des barres de rire. Et du coup, tout le monde, enfin son entourage, lui dit « Allez, vas-y, il serait bien que tu te poses sentimentalement. » Elle est sortie longtemps avec un type, ça s'est fini, elle n'a pas très bien pris. Et elle se dit « Bon, je vais m'y remettre et tout. » Donc, on l'inscrit sur une application de rencontre. Et lui, de son côté, bon, la fille là, qui voulait demander en fiançailles le soir où c'est parti en cacahuète, bon bah c'est terminé, il est à nouveau célibataire. Et sa sœur qui s'est mariée, elle lui dit « Écoute, à chaque fois, tu sais pas en fait être seule. » C'est un mec, il a tellement peur d'être seul qu'il passe de relation en relation tout le temps. Et du coup, il était carrément prêt à se marier juste pour pas être seul. Alors que pourtant, c'est un très beau garçon, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais on apprendra plus tard pourquoi il a cette peur de la solitude. Et du coup, sa sœur l'invite à s'inscrire sur une application de rencontre pour qu'il essaye de rencontrer des femmes, mais d'essayer vraiment de trouver une âme sœur. Et pas n'importe qui, comme ça, que vraiment il en rencontre plusieurs et qui prennent la mieux, quoi. Celle avec qui vraiment il va avoir un feeling, un vrai feeling. Bah, du coup, il se retrouve sur la même application que Ali et ils vont matcher. Et Ali, au début, elle voit que c'est lui, quoi. C'est elle qui vient vers lui. Donc, elle se dit « Ah tiens, on a passé la nuit ensemble et tout, mais bref, je vais le taquiner. » Et en fait, ils vont commencer à se parler. « Pourquoi t'es là? Tu cherches l'amour et tout. » Bref, chacun est là-dessus pour ses propres raisons. Et du coup, ils vont encore à nouveau très bien s'entendre. Hein. Et ils vont carrément se revoir, pas en amoureux. Hein. Ils vont faire un pari, d'où le titre. On dirait que tu sais quoi, le premier qui a trouvé l'amour doit un gage à l'autre. Ok, du coup, ils se retrouvent en fait potes de date. Donc, ça veut dire qu'ils vont à chaque fois donner rencard à des gens qu'ils vont donc rencontrer sur l'application dans le même resto. Donc, parfois, ils vont se voir de loin et tout. Et ils se disent, écoute, si on voit que le date court à la catastrophe, on se fait signe, on se voit aux toilettes. On se dit non, ça va pas du tout, quoi. Faut qu'on interrompt le truc et on se casse, on va manger au resto d'en face. Voilà, quoi. Chacun sauve la mise à l'autre, quoi. Ok. Donc, ils font ça et du coup, ils deviennent potes. Super potes. Mais, avec le temps, Ellie va rencontrer un type, donc, sur l'application avec qui ça va le faire. Et Jack va se rendre compte que ça lui plaît pas. Parce qu'ils sont devenus tellement proches qu'au final, bah, ils ont appris à se connaître. Et bon, ils se plaisaient déjà d'entrée de jeu puisqu'ils ont couché ensemble. Mais en fait, ils sont tellement compatibles qu'on ne comprend même pas qu'ils ne soient pas ensemble depuis le début. Mais c'est sur le dos de l'amitié, voilà. C'est pas pareil. Quand on est ami, c'est plus simple. Il n'y a pas de barrière. Ils ne sont pas dans la séduction. Du coup, bah, ça devient beaucoup plus fluide. Mais bah, c'est tellement fluide que justement, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin? Pour Ali, non. Voilà, rencontre quelqu'un, tout ça. Jack, il se dit, mais en fait, non, je veux pas qu'elle aille avec ce gars-là. Donc, il va essayer de faire des trucs pour, je vous dis pas, parce que du coup, il va y avoir un bordel. Mais il faut le lire. Si vous gérez l'anglais, il faut le lire. Il est pas long. Hein. Par contre, attention, parce que il est pas difficile à lire. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des expressions, des refs
que j'ai pas compris. Je pense qu'il faut être américain pour les comprendre. Mais ça n'empêche pas de comprendre l'histoire. Hein. Mais des fois, j'avoue que les dialogues sont tellement piquants. Et des fois, ils sortent des trucs. On comprend qu'il y a une ref à quelque chose de typiquement américain, quoi. Ou une façon de parler typiquement américaine. Et moi, ça a été Lost in Translation, quoi, à des moments. Donc, je me suis dit, ah, mince, ça a l'air drôle et je comprends pas la ref, quoi. Voilà, mais c'est pas arrivé tout le temps. J'ai passé un super bon moment. Ils étaient Jack. J'adore Jack. Il est... je kiffe. Ali aussi, hein. Elle est marrante, mais elle est... ouais, elle est quand même plus têtue que Jack. J'ai un petit peu envie de la secouer à des moments, quoi. Mais non, voilà. J'ai kiffé. C'était trop, trop mignon. Je recommande. Et surtout, très drôle. Il y a aussi un chat dans l'histoire. Et la coloc, mention spéciale pour la coloc qui est complètement perchée, personnage secondaire génial. Ensuite quand même, j'en avais parlé dans le book haul, je vous avais dit que je m'étais enfin décidée à sauter le pas pour le royaume des damnés. Parce que 14 ans, moi qui suis une grande friande des romances olé olé, on me dit 14 ans, je me dis bah non, moi je suis habituée à du spicy, moi je veux du olé olé quoi, je veux pas lire que des trucs, voilà. Mais j'aime bien qu'il y ait de tout quoi, j'aime bien, voilà, donc les trucs young adult et tout, c'est plus trop pour moi quoi. Mais je me suis quand même dit, à force de le voir passer, tu passes à côté de quelque chose, donc tente quand même. Oh, j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que c'est vraiment un roman, je trouve, très gothique. Et alors, j'ai lu du bon et du moins bon. Je comprends certaines critiques, mais moi, ça ne m'a pas dérangé, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est, où on est, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le tome 1. Il y a 3 tomes. En tout cas, les 3, là, sont sortis en français. Je crois que c'est fini. Hein. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. J'ai aussi lu le 2 hein, dans la foulée, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, donc, ça se passe à Palerme. Par contre, on ne sait pas à quelle époque, il n'y a pas d'indication, mais je pense au temps jadis. On a des sœurs jumelles, Emilia et Vittoria, qui naissent dans une famille, j'ai bien aimé le côté culinaire, ils tiennent un restaurant à Palerme, et donc ça se passe souvent dans la cuisine, il y a beaucoup de références à la cuisine, etc. C'était sympa, ça donne faim. Et dans donc, ce Palerme gothique vivent des sorcières, mais... comment dire, il faut pas que ça se sache quoi. Y a des chasseurs de sorcières carrément. Hein. On veut pas de sorcières, voilà. Donc elles doivent se cacher. Et nos deux jumelles, donc Vittoria et Emilia, sont des sorcières. Leur famille, ce sont des sorciers. Mais alors, c'est un peu bizarre. C'est pas tous les sorciers qui ont des pouvoirs. Par exemple, leur mère n'a pas de pouvoir. Leur grand-mère, oui. Leur père, oui. Mais pas leur mère. C'est un peu bizarre. Bref. Alors, écoutez, mon résumé va être vraiment au ras des pâquerettes parce que je me suis dit, mais la honte, c'est pour les 14 ans. Enfin, à partir de 14 ans, il y a des trucs que j'ai pas compris. Et je rigole parce que je me dis, attends, il y a des trucs que j'ai toujours pas capté. J'ai fini le tome 2, il y a encore des trucs que j'ai pas compris. Donc, c'est compliqué quand même. Alors, franchement, ne me jetez pas la pierre. Mais franchement, c'était compliqué à des moments parce que, donc, je vais faire un effort pour pas vous perdre non plus. On a donc deux jumelles, Vittoria et Emilia. Là, elles ont 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Toutes les deux ont été élevées avec une amulette. Elles ont chacune une amulette. Leur grand-mère leur a dit, il faut jamais vous en séparer, elle vous protège. Et elle leur a appris aussi des petits sorts, etc. Mais un jour... Vittoria meurt. Emilia la trouve dans un couvent, dans un monastère, dans une salle, le cœur arraché, avec un type penché au-dessus d'elle. Alors, elle se met à crier, le type se retourne, et après, il s'évapore en fumée. Bon, qui a tué sa sœur? Voilà, donc ça va être le combat de cette jeune fille pour trouver l'assassin de sa jumelle, dont elle était très très proche. Sauf que, faut quand même le préciser, je pense, elles ont fait une connerie quand elles étaient plus jeunes, avec leurs amulettes, elles ont fait un truc qu'il fallait pas faire, donc elles ont réveillé quelque chose, dont on commence à voir les conséquences là, au moment où l'histoire démarre.
Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas nécessaire, parce qu'en plus, je vais vous perdre aussi. Moi, je me suis perdue. Hein. Mais il y a un lien avec un truc qu'elles ont fait gamine, qu'elles n'auraient pas dû faire. Et donc, qui a tué sa sœur ? Alors, elle va mener son enquête. Pourquoi elle avait le cœur arraché comme ça ? Et elle se rend compte qu'en fait, y a d'autres mortes. D'autres jeunes filles qui ont été retrouvées mortes de la même façon que sa sœur. Et elle va essayer de trouver des réponses dans le journal intime de sa sœur. Et elle va se rendre compte que sa sœur, en fait, savait des choses qu'elle ne savait pas, notamment sur la magie noire. Elles ne sont pas autorisées à faire de la magie noire, mais sa sœur avait découvert des trucs. Du coup, Emilia, voyant que du côté de sa famille et des autorités, il n'y a rien du tout qui se passe, eh bien, elle va faire appel à un démon pour l'aider à résoudre le meurtre de sa sœur. Et elle va donc invoquer l'un des sept princes qui règne aux enfers, là, Colère. Alors, sept princes pour sept péchés capitaux, hein, vous avez compris. Donc, c'est Colère qui se matérialise devant elle. Et, ah, je te connais, c'est celui qui était donc penché sur le cadavre de sa sœur. Donc, au début, elle croit que c'est lui qui l'a tué. Il lui dit, bah non, c'est pas moi. Donc, il va l'aider à résoudre l'enquête. Et quand elle l'a invoqué, elle a, en gros, dit un sort qui fait quelque chose. C'est compliqué parce que là, je ne veux pas spoiler. Mais elle s'est plantée dans son latin, on va dire. Enfin, ce n'est pas qu'elle s'est plantée, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte de la façon dont elle l'a invoqué. Du coup, elle va se retrouver liée à lui au-delà de ce qu'elle pensait. Voilà. Et lui ne va rien dire. Il va laisser dans l'ignorance totale. Et il va essayer donc de l'aider à résoudre le meurtre de sa sœur. Et on va apprendre qu'en fait, sa sœur avait commencé à tisser des alliances, on va dire ça comme ça, avec un frère de Colère, donc un autre prince des enfers. Je crois que c'est Orgueil avec qui elle a pactisé. Elle voulait, d'après ce que Emilia pense, hein, se marier avec le prince de l'enfer Orgueil. Pourquoi ? On ne sait pas. Et il y a une histoire de malédiction là-dedans, et c'est là en fait où j'ai rien compris. Ah, écoutez, c'était compliqué. C'était compliqué, mais lisez-le, parce que moi je suis conne, voilà, j'ai pas tout compris. Mais j'ai quand même adoré, attention, hein. J'ai adoré Colère, voilà. Emilia, des fois j'avais envie de la taper, parce que des fois elle est très bête, très très bête, et ça m'exaspère. Mais bref, poursuivons. Elle va rencontrer d'autres princes de l'enfer, envie, cupidité, tout ça machin. D'ailleurs, cupidité qui, j'ai pas compris, dans ce tome-là, on l'appelle cupidité, et dans le tome 2, on l'appelle avarice. Bref, ils sont plantés au niveau de la traduction, là, ils ont merdouillé entre deux tomes. C'est juste pour vous prévenir. On a une carte hein, du royaume des enfers qu'on ne verra que dans le tome 2. Mais on l'a quand même dans le tome 1. Je vous le précise parce que moi, quand j'ai vu, j'ai guetté tout le long du livre quand est-ce que la carte va nous servir. Dans le tome 2. Voilà, je vous le dis. Ça piétine, hein, c'est un petit peu long, je trouve, quand même, des fois. En plus, c'est des artefacts à trouver, des machins, des bidules. Colère, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, certains reprochent à Colère de ne pas être assez méchant. Ça part pour être un enemies to lovers. Hein. Donc c'est un diable, un des diables. On ne sait pas qui est le vrai diable parmi les sept, je précise. Hein. Qui est le vrai Belzébuth, Lucifer, tout ça, on ne sait pas. Prince Colère, donc, beaucoup reprochent à Colère de ne pas être assez méchant. Oui et non, disons que chaque prince, ça c'est quand même bien expliqué, chaque prince représente effectivement son péché. Donc l'envie, la paresse, l'orgueil, la colère, etc. Mais lui, le prince colère, c'est aussi le prince guerrier, en fait. C'est le général. Donc dans son monde à lui, hein, voilà, c'est lui la justice, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un de juste. Donc s'il représente la justice, pour moi, ça fait sens qu'il ne puisse pas non plus être un énorme méchant sans âme et conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, ça colle parce qu'on va se rendre compte hein, au fil des tomes, enfin, je parle que du tome 1 et 2, que ce n'est pas parce qu'en fait, ce sont des diables, voilà, des princes de l'enfer, qui sont forcément complètement pourris. C'est ça qui est intéressant, justement. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas choquée. Ce sont des anges déchus. En fait, ce sont des anges
qui se sont échoués avec le diable, hein, donc du paradis, hein, tout le monde connaît l'histoire, mais c'est pas pour autant que c'est l'incarnation des cauchemars absolus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Concernant colère, les autres, on les voit de temps en temps, bon, il y en a qui sont, ils font carrément flipper, hein. Mais encore une fois, vu qu'il y a des trucs par rapport à sa jumelle, ce qu'elle a fait avant de mourir et tout, il y a une histoire de malédiction, comme je vous dis, enfin bref, il y a des enjeux qui font que certains princes, parce qu'on les rencontre pas tous pour l'instant, certains princes, en tout cas, on voit qu'ils ont des intérêts, des trucs, enfin bref, qui justifient leur comportement. Mais concernant donc colère, oui, lui aussi, il a un intérêt dans l'histoire, hein. Il ne dit pas tout à Emilia. On va avoir de grandes révélations dans le tome 2. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas forcément des grands méchants en tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, moi, ça m'a pas choquée, hein. Je m'attendais pas non plus à avoir un monstre. Quel intérêt, sinon, il fallait quand même qu'il ait de l'humanité en lui. C'est le cas. Après, ça met quand même du temps, c'est un slow burn, hein. Donc la romance, elle prend beaucoup plus d'importance, on va dire, dans le tome 2. Donc là, pour le tome 1, c'est un slow burn en tout, par rapport à l'enquête, par rapport aux sentiments qui vont se développer entre Colère et Emilia. Et bah, le tome 2, je vous en reparlerai. Mais voilà, comme je vous dis, il y a vraiment des trucs que j'ai pas compris. Donc j'ai mis mes petites annotations parce qu'il faut que je retourne voir certains trucs que j'ai pas compris. Ça m'a pas vraiment perturbée pour poursuivre ma lecture, y compris jusqu'au tome 2. Mais alors, soit c'est un souci de traduction, soit c'est l'autrice qui a fait trop de trucs, quoi, et qui m'a embrouillé l'esprit. Mais ouais, je vous cache pas que je vous résumerai pas plus que ça, parce que ça fait 15 fois que je le dis, j'ai pas tout compris. Mais voilà, bref, on part sur une jumelle qui veut résoudre le meurtre de sa sœur. C'est un lien avec les sept princes de l'enfer, qui est le diable, mystère et boule de gomme, et une romance entre l'un des princes de l'enfer et notre jumelle. Et une malédiction, donc au-dessus de tout ça. Voilà, moi je recommande, hein, voilà, le tome 2, je l'ai adoré, et là je vais d'ailleurs commencer bientôt le tome 3. Ensuite, alors là, énorme coup de cœur, attention, le tome 2 de Twin Crowns. Cursed Crown, cette fois-ci, français, hein, de Catherine Doyle et Catherine Weber. J'avais parlé du tome 1 dans une autre vidéo, ça faisait un bail aussi, hein, que je l'avais. Alors, par contre, je vous préviens tout de suite, hein. Je vous préviens, le tome 3 est pas prêt de sortir. Et moi, c'était pas possible, du coup, je l'ai acheté sur Kindle. Parce qu'il est payé en anglais sur la Kindle également, un peu plus de 6 euros. Voilà, ce sera le dernier tome, c'est le 3. Il s'appelle Burning Crowns, obligé, parce qu'alors là... Alors, petit rappel. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas savoir, voilà, vu que c'est un tome 2, arrêtez la vidéo ici, parce que du coup, je vais spoiler le tome 1. Voilà, donc si c'est le cas, gros bisous, au revoir, à la semaine prochaine. Et pour ceux donc qui ont déjà lu le tome 1, le tome 2. Donc, pour rappel, dans le tome 1, on a deux jumelles, encore des jumelles, Rose et Reine, qui ont été séparées à la naissance parce que la grand-mère a sauvé l'une des jumelles qu'on voulait tuer. Les parents étaient massacrés parce que ce sont des sorciers. Et un peu comme encore le royaume des damnés, hein, les sorciers sont pas les bienvenus, quoi. Enfin, à la base, oui, mais il y a un guignol qui a décrété que non, et il a zigouillé tout le monde. Et les sorcières ont dû partir se planquer. Et ils ont pris une seule des jumelles avec eux. L'autre jumelle, du coup, elle a été élevée avec le régent, là, celui qui a zigouillé tout le monde. Et il l'a élevée dans l'ignorance complète de ce qui s'est vraiment passé, de ce qu'il a vraiment fait. Maintenant, les sorcières sont interdites. Elle ne sait même pas que c'est une sorcière. Et elle est destinée donc au trône. Sauf qu'au final, il avait d'autres intentions. Il voulait la marier avec le prince Ansel d'un autre royaume, hein, Gévra, vous vous rappelez, ceux qui ont lu donc le tome 1, et partir donc là-bas, loin, à Gévra, autre royaume. Et lui continue à régner, je ne sais plus le nom du bled, là, il est un peu compliqué, Andranena, Annana, et Anna, quoi, bref. Et du coup, dans le tome 1, on avait Reine, donc la sœur qui était partie s'exiler depuis la naissance, élevée par les sorcières, hein, par sa grand-mère et tout, qui vient kidnapper Rose dans son sommeil pour échanger de place avec elle.
afin de rétablir tout ça là et de remettre les sorcières dans la société pour les faire à nouveau reconnaître et se débarrasser du guignol. Bon, il s'est passé plein de trucs dans le tome 1. À la fin, nos jumelles sont enfin couronnées reines, toutes les deux. Et dans le tome 2, donc, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Alors, rappelez-vous qu'à la fin du tome 1, il y avait eu une grosse bataille. Le prince Ansel, malheureusement, il était chouchou en plus, lui, je l'aimais bien. Il est mort. Et Alaric, le frère de Ansel, le roi donc de Gévra, est parti en colère, hein, qu'on ait tué son frère, est parti avec la grand-mère des jumelles, Bamba. Il l'a ramené là-bas. Et est reparti avec lui également l'amoureux Thor de Rennes. Donc, Thor qui est le soldat de Alaric. Enfin, à la base, il s'occupait plutôt d'Ansel, mais Ansel est mort. Donc, bref, ça reste le soldat d'Alaric. Il est parti, il va laisser sa louve. Elle sec la louve. À Rennes. Et donc, dans le tome 2, oh, on retrouve Shenlo. J'adore Shenlo. Shenlo, c'est le chéri de Rose, le meilleur ami de Rennes. Il l'avait emmené dans le désert et tout, machin. Alors, ça, dans ce tome 2, ça se passe pas très bien. Ok, elles sont couronnées reines, c'est cool. Mais les habitants ont tellement l'habitude qu'on ait diabolisé les sorcières qu'ils ont un petit peu du mal. Et elles vont en plus de ça renvoyer un des gardes royaux. Et ce type-là va du coup vouloir faire un coup d'État. Il va partir en campagne dans Eanna pour soulever le peuple. En fait, il va les monter contre elles en disant que les sorcières sont démoniaques et qu'il faut, les tuer, quoi. Il faut prendre le pouvoir et se débarrasser d'elles et de toutes les autres sorcières. Donc voilà le combat que Rennes et Rose vont devoir mener. Sauf que parallèlement, ça n'arrête pas, hein, voilà. Sauf que parallèlement, il y a aussi Bamba à aller chercher la grand-mère qui est prisonnière d'Alaric à Gévra, le royaume polaire là-bas. Là. Du coup, Rennes... Ok, c'est faut combattre tout le monde là, mais moi ma grand-mère quoi, Rose, oui, mais on est reine, il faut aussi qu'on sauve notre peuple. Non, Reine décide qu'elle doit partir sauver sa grand-mère, le royaume, on verra ça plus tard. Du coup, on va avoir toujours comme le tome 1, hein, les points de vue des deux sœurs à chaque fois. Donc on a Rose qui reste au royaume pour essayer de préparer une guerre, hein, donc contre le soulèvement que l'autre guignol est en train de mettre en place. Mais pas que, elle va aussi... Alors, je ne vais pas vous spoiler. Mais par rapport à Shenlo, rappelez-vous que Shenlo, il a été trouvé petit errant dans le désert et il appartient donc à un peuple du désert. Il va se passer des choses par rapport à ça. J'en dis pas plus. Mais c'était très intéressant. Et la romance Shenlo-Rose a été mise un peu à rude épreuve hein, dans ce tome 2. Hein. Mais je les adore tous les deux. Du côté de Rennes, elle part donc à Gévra pour libérer sa grand-mère. Donc Rennes, c'est la badass, hein, celle qui, des fois d'ailleurs, n'a pas de cerveau. Des fois, t'as envie de lui dire, mais réfléchis. Alors, elle est très intelligente, elle est très astucieuse, très maligne. Mais elle est très tempétueuse, quoi. Autant Rose, des fois, elle est un peu trop. Elle réfléchit un peu trop. Elle agit, mais... Elles se complètent très bien, les deux sœurs. Hein. Je les aime autant l'une que l'autre. Rennes, j'ai peut-être une petite préférence pour Rennes, parce que justement, elle a ce côté... c'est pas son côté badass, c'est les répliques qu'elle sort, en fait. Elle me fait rire. Elle a des répliques, elle me tue. Et Rose n'a pas ce côté-là. Mais ouais, des fois, par contre... Rose, viens l'aider, quoi. Faut la tempérer, la fille, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que je les aime toutes les deux. Elles se complètent très bien. Mais Rennes est très drôle, mais très agaçante à des moments. Et donc, elle débarque à Gévra face au prince... au roi, pardon, Alaric. Et Alaric lui dit, bah, écoute, c'est simple. Si tu veux récupérer ta grand-mère, tu ressuscites mon frère. Ah, mais il est mort. Oui, justement, il est mort, mais tu vas le ressusciter. Donc, en fait, il lui demande de faire la magie interdite. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont lu le tome 1, nos sœurs sont guettées par une malédiction par rapport à leurs ancêtres de 1000 ans avant, les sœurs Unag et Ostra,
qui, pareil, elles régnaient toutes les deux, c'était des jumelles. Il y en a une qui est devenue cinglée, là, Unag, parce qu'elle a commencé à faire de la magie noire, à faire des rituels sacrifices de sang. Elle est devenue Barjo et elle a voulu tuer sa jumelle. Bon, finalement, elle a disparu, on ne l'a jamais revue. Eh bien, Ren, là, ce que lui demande de faire Alaric, c'est un peu ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse pour ne pas finir justement comme Unag, pour ne pas que la malédiction se répète. Donc c'est très chaud, c'est très chaud. Elle revoit aussi donc son chéri du tome 1, Thor. Mais alors là, comment vous dire Enfin, attendez, donc l'enjeu est là. Il faut qu'elle ressuscite le prince pour libérer sa grand-mère et elle aussi, hein, du coup. Mais alors, il s'est passé un truc là-dedans, au niveau de la romance, que j'avais pas vu venir. On le voit pas venir hein, dans le tome 1. Et là, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je vous spoil pas, vous inquiétez pas. Et à un moment donné, vers le milieu du livre, je me suis dit, mais attends, il se passe quelque chose là. Et je me suis dit, non, c'est moi qui dois me faire des films et tout. Et en fait, plus ça avançait jusqu'au moment où, ah, d'accord. Et alors, je sais que certains se sont dit, mais non, pourquoi les autrices, elles ont fait ça et tout, avec cette romance, pourquoi? Alors, j'avoue, je suis pas non plus fan forcément de ce truc-là, mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça tellement génial. Parce que, alors, je dirais pas que ça sort de nulle part, au contraire, mais ça sort de quelque chose. C'est très dur de vous dire sans vous dire. Même vous, je sais que ça vous frustre, mais je veux vraiment pas vous spoiler. Mais j'ai adhéré pour le coup, parce que je me suis dit, mais oui, en fait. Mais carrément, en fait. Et ça serait carrément génial. Et c'est plus intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand le tome 2 se termine... Ah non, non, j'attends pas. J'attends pas un an pour la suite. Je la veux tout de suite. Je veux savoir ce qui va se passer. Je suis devenue dingue. Donc, voilà. Mais pour vous dire, celui-là, j'ai adoré le tome 1, mais celui-là, c'est un coup de cœur. Il est encore mieux que le tome 1. Il est génial. Et ben, je vous dis, hein, c'est super rare que j'achète les livres sur Kindle, parce qu'avec l'abonnement, je les ai gratuits, les livres, mais pas tous. Là, je l'ai payé pour lire la suite. Donc, c'est vraiment... non, il faut que je sache grandement. Et voilà, encore une fois, la malédiction avec les anciennes sœurs jumelles, elle va être très présente dans ce tome 2. Enfin, en tout cas, elle va être encore plus présente dans le tome 3, carrément. Mais on voit comment les choses vont se dessiner dans ce tome 2. Et alors, les batailles, enfin bref, c'est génial. C'est génial. Pas de scène spicy. Je vous préviens, il n'y en a pas. C'est du young adulte, hein, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a pas de scène spicy, voilà. Mais ça n'empêche que... Il y a des moments de romance où c'est très mignon, mais voilà, il se passe rien, quoi, c'est soft. J'adore, je suis pas déçue, je peux que recommander. C'est mon coup de cœur, voilà, de ces quatre dernières lectures. Ça, coup de cœur. En plus, je pensais qu'il n'y avait que deux tomes, hein. Je savais pas qu'il y en avait un troisième. Donc, je suis joie, bonheur. Voilà, les amis, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis hein, sur ces lectures-là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Bisous, ciao.